Maurice Shaw won 3 Oscars and was nominated for 6 more in a career which encompassed more than 150 film scores. His collaboration with David Lean produced Academy Awards for Lawrence of Arabia, Dr. Zhivago, and A Passage to India, and he moved on from orchestration to become a pioneer of electronic scores in the 1980s. He was an inspiration to many composers, including his fellow Frenchman Alexandre Desplat. Alexandre turned reporter for the screening room as he met Maurice for what would be one of his last interviews before his death from cancer this week, at the age of 84. Hello, we're here with Maurice Jarre, greatest composer for French film scores and British scores and American scores for the last 50 years. And it's a big honor for me too, great honor to be here, sitting with Maurice and sharing this moment. L'essentiel, comme tu disais tout à l'heure, c'est d'avoir des metteurs en scène hyper talentueux qui font appel à toi. Et ça, c'est la meilleure récompense parce que, enfin, ton talent de compositeur peut s'exprimer. Parce que tu peux chercher, tu peux proposer, tu peux inventer quelque chose. Quand les films ou les metteurs en scène ne sont pas formidables, c'est beaucoup plus difficile d'écrire de la bonne musique. Exactement. Je n'ai jamais eu vraiment, j'ai eu la chance de ne jamais avoir un, comment dirais-je, une bataille en règle avec un bon metteur en scène. Un bon metteur en scène, il n'y a pas de problème. On trouve toujours un tentante intellectualine. Et c'est ça qui était formidable. J'ai vraiment eu la chance de travailler avec tous ces gens-là. Je crois que je ne peux pas dire j'ai travaillé avec un mauvais metteur en scène. David Lean, Schlöndorff, Visconti, John Huston et Hitchcock. Oui, je veux dire, c'est, ça fait partie des gens qui ont disparu et qu'on ne retrouve pas maintenant facilement. Bien sûr, bien sûr. Tu sais que avant d'écrire la première musique électronique pour Peter Weir, pour l'année de temps de tous les dangers, personne ne voulait entendre parler d'un score purement électronique, alors que Peter Weir l'a fait dans un sens artistique. Et ça qui était formidable. D'abandonner l'orchestre pour passer à la musique électronique, c'était très très courageux. At the same time, his son, Jean-Michel Jarre, became one of the world's best-known electronic musicians, with global hits such as Oxygène and huge outdoor concerts. Parce que je sais que Picasso disait je ne cherche pas, je trouve. Mais je ne trouve pas toujours. Parfois, il faut que je cherche encore et encore. Et parfois, je ne trouve pas jusqu'au lendemain ou jusqu'au surlendemain. Je ne trouve pas l'accord qui va faire la liaison, le fragment de la mélodie que je n'ai pas terminé. Est-ce que tu trouves toujours? Ou est-ce que tu cherches beaucoup? Toujours chercher. Toujours chercher, hein? Toujours chercher, et tu sais, quelquefois la nuit. Mm. Et c'est pas le compositeur qui, à 4 heures du matin, se réveille en disant « Oh, j'ai une idée formidable !» Jarre's career included symphonies, ballet and theatre, but it was for his 150 film scores that he was presented with an honorary Golden Bear at the Berlin Film Festival last month, almost half a century after producer Sam Spiegel hired him to work on Lawrence of Arabia. Merci, merci, danke schön, danke schön. Les gens qui me disent, mais quand vous avez écriviez la musique de Lawrence d'Arabie, est-ce que vous saviez que ça allait être un très grand succès, le film, etc. Je dis non, j'étais surtout préoccupé de finir la musique à temps. Et c'est pour ça que c'était un travail un petit peu, comme disait Sam Spiegel, tu as un travail de Superman. Et ça c'était vrai parce que travailler un jour et nuit, etc. Mais je ne savais pas du tout à ce moment-là que c'était de travailler avec probablement sur un des meilleurs films
de l'histoire du cinéma. That's all from this edition of the Screening Room Extra. The main edition of the Screening Room returns later this month with films from the front lines, hard-hitting documentaries from the Amnesty and Human Rights Watch film festivals. Until then, it's goodbye from Paris.